c'est très important parce que pour les anciens d'Algérie, le 19 mars, pour nous, c'est vraiment la fin de la guerre d'Algérie. Et c'est un moment très important dans notre vie et dans notre passé aussi d'anciens militaires d'Algérie. Il faut que la jeunesse soit informée, que la jeunesse s'accapare de cette date pour être plus informée, pour être plus au fait des choses et savoir ce qui s'est passé en Algérie d'abord et ensuite pourquoi il y a eu cette date de 19 mars pour la fin de la guerre d'Algérie. Et nous invitons la plupart du temps dans nos réunions des jeunes à venir avec nous. Nous sommes déjà passés dans des écoles pour informer et faire connaître ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu beaucoup de Guadeloupéens, puisque ceux qui sont revenus, mais il y a beaucoup qui sont morts aussi. Donc c'est pour nous une date importante. Et pour nous aussi, c'est quelque chose de très important, parce que nous partirons un jour, mais nos jeunes seront là pour continuer le flambeau et en parler. Mais je pense qu'il faut commémorer toutes les fins de conflit. Hein, parce qu'une fin de guerre, c'est la paix qui s'installe. Et donc, après une dizaine d'années de guerre dans le nord de l'Afrique, donc c'est une bonne chose de commémorer aujourd'hui un traité de paix, voilà, entre les nations. Il faut que la jeunesse européenne connaisse toute son histoire, parce que nous sommes en dehors de la France hexagonale, mais il ne faut pas oublier, nous sommes français, bien sûr. Donc il faut connaître toute l'histoire de France. Et donc cette partie de l'histoire fait partie de la nôtre. Et il y a des Guadeloupéens dans cette histoire. Au nom du président Ary Chalus, pour nous, c'est un devoir de venir commémorer les 55e anniversaire de la guerre d'Algérie et de Maroc. Ce sont l'armée civile et militaire qui se sont sacrifiés pour nous, pour nos vies. Il est de notre devoir de transmettre aux plus jeunes l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de tous nos anciens qui se sont battus corps et âme pour sauver nos vies. Mais moment important, parce que chaque fois que l'on célèbre la mémoire de nos soldats tombés, parce qu'il y a de nombreux Guadeloupéens qui sont tombés là aussi sous les champs de bataille, que ce soit en Algérie ou ailleurs, donc il est important que le département soit là, puisque le département représente donc représente la population de la Guadeloupe, puisque le département donc doit être présent et doit être là pour justement permettre de mémoriser justement ces moments forts de l'histoire de France, mais aussi de notre histoire. Et donc il s'agit pour nous de montrer, de témoigner de notre affection, mais aussi de notre reconnaissance par rapport à ceux et celles qui sont tombés sous les balles de l'ennemi, donc dans ces batailles. Bien, je me réjouis justement qu'il y ait donc à la fois des personnes d'un certain âge, qu'il y ait donc des représentations des militaires, mais il y a aussi nombre de personnes civiles, nombre de personnes âgées, il y en a donc des jeunes aussi qui sont là, et quelque part cela veut dire que nous devons continuer à célébrer parce que la jeunesse s'y intéresse. Nous sommes là pour justement les encourager à perpétuer cette mémoire-là. Oui, c'est un moment très important, comme toutes nos commémorations nationales. Il est important de perpétuer le souvenir du passé, le souvenir des moments douloureux aussi. Et évidemment, le 19 mars, c'est un moment positif puisque ça met un terme à une guerre. Mais ça nous permet de nous remémorer tous les événements difficiles et douloureux de la guerre d'Algérie, des événements du Maroc et de la Tunisie. Bah, écoutez, moi je suis très agréablement surpris parce qu'il y a pas mal de public qui s'est mobilisé malgré les conditions météorologiques qui étaient incertaines. Et ça montre que, bah oui, parmi nos concitoyens, il y a des gens qui accordent de l'importance à ces commémorations et à l'histoire, à notre passé et au devoir de mémoire. Il faut que la jeunesse guadeloupéenne connaisse toute son histoire, aussi bien que possible, de manière à ne pas oublier et à ne pas reproduire les erreurs du passé, bien entendu.